Coucou tout le monde. Comment ça va ce matin? J'espère que vous avez bien dormi. Celles et ceux qui ont suivi le cours de Laura hier, j'espère que ça va, que vous êtes bien remis et remises. Parce que c'était un sacré cours encore qu'elle nous a fait, bien physique. Donc je pense que je vais pas avoir beaucoup de rescapés ce matin. Coucou Sandrine, toujours au taquet, super. Vous arrivez à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, un petit message. N'hésitez pas à me faire coucou. Je me suis mis exprès en live en avance pour vous laisser le temps d'arriver. Et puis, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le HIIT, j'ai eu la question de la part de Sophie ce matin, je crois, une nouvelle dans le groupe, qui demandait ce que c'était en fait. Donc, salut Sabine. Bonjour, bonjour. Du coup, je vais vous expliquer rapidement. En fait, le HIIT, ça signifie en fait High Intensity Interval Training. Ça veut dire en fait que c'est un entraînement sous forme. Du HIIT, c'est d'enchaîner les exercices sans pause, enfin un groupe d'exercices, donc ça peut être 4-5 exercices ou plus, qui justement doivent être effectués les uns à la suite des autres sans pause, et on fait une pause à la fin de ce groupe d'exercices-là, où on termine l'exercice, l'entraînement. Donc à la différence par exemple du Tabata, que vous faites souvent avec Laura, Tabata c'est un exercice, une pause, un exercice, une pause, ou alors on reprend le même exercice, mais à chaque fois on fait une pause. Donc ça peut être par exemple 45 secondes d'exercice, 15 secondes de pause, ou 1 minute d'exercice, 30 secondes de pause. Voilà. Alors que le HIIT, ça va être, comme je vous disais, plusieurs exercices. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire le HIIT, mais on va le faire plusieurs fois pour ceux qui arrivent à suivre. Donc c'est un HIIT un peu spécial. Puisque en fait, on peut le faire qu'une seule fois hein, pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, par exemple qui ont une vie professionnelle, une vie de famille qui ne leur permet pas de dégager 1 heure, voire 1 heure 30 pour s'entraîner, parce que voilà, il faut compter assez large pour la préparation avant, la récupération après, la douche. Voilà, c'est pas que l'entraînement lui-même, donc ça prend vite du temps. Et en fait, le HIIT est intéressant pour ça parce que ça peut être des entraînements qui durent 12 minutes. Donc, on peut faire 12 minutes d'entraînement très intense et que ce soit efficace en fait. Donc, il a été démontré quand même que le HIIT était très, très, très efficace. Si vous avez un bon entraînement de 20-25 minutes, ça équivaut, ça a même plus de valeur que un entraînement classique, pas très efficace, de 1 heure, voire 1 heure 30. Donc, à peu près 20-25 minutes par jour, tous les jours, ou une fois tous les 2 jours, c'est très très efficace. C'est d'ailleurs pour ça que le HIIT est à la mode hein, maintenant et qu'il y a beaucoup de gens qui le pratiquent, qui l'ont intégré dans leurs entraînements. C'est parce que justement, c'est un gain de temps pour des résultats très intéressants. Donc, c'est très très efficace et ça permet d'être plus productif. Voilà pour le petit historique du HIIT. Bah, je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous ont rejoints. Magdalena, Nicole, Véronica, Isabelle, Marilyn, Chantal, Sylvie. C'est cool, c'est cool. Tout le monde, vous êtes toutes et tous au rendez-vous. Ça fait plaisir. Nathalie, Sandrine. Ah, ouais, tu gardes le cours pour plus tard, ta sciatique. Mais on va en reparler de ta sciatique, t'inquiète. On va reparler de tout ça. Ok, Sandra qui nous rejoint. Bonjour la tribu. Yes. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les fit clubbers, les fit clubbeuses? Merci d'être là ce matin avec moi. Donc, je rappelle, on fait un petit hit. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercices. Ok? Ce qui va constituer le hit. Mais comme je disais, ça va être un peu spécial. Pour faire durer le plaisir, on va le faire plusieurs fois. Ok? Donc, généralement, je dirais que les débutants, vous pouvez faire une fois le bloc d'exercice, les intermédiaires 2 fois et les avancés 3 fois. C'est à peu près ça. Mais sachant que les exercices ne sont pas non plus trop durs, ils sont engageants mais pas trop difficiles. Les débutants, vous pouvez quand même tenter le deuxième tour. Ok? Allez, on est parti. Je vous dis bonjour aux derniers arrivés, Laura, Vainé, Jérôme. Cool. Vainé de la Bretagne, c'est cool.
En plus, t'as un joli prénom de Polynésie, c'est cool ça. Allez! On va partir sur un petit échauffement articulaire pour réveiller les membres le matin comme ça. Pas partir trop vite, hein, c'est pas forcément idéal. Donc on va commencer en bas, on finit en haut. On fait les chevilles, on tourne comme ça, dans un sens, puis dans l'autre. On change de jambe, on change de pied. Yes. Hop. On va passer aux genoux. On colle les jambes, on pose les mains sur les genoux et on tourne dans un sens. Allez, c'est parti. Dans l'autre. Et de nouveau au premier sens. Encore. Yes. Ok, on remonte. Prochaine articulation, la hanche. Les jambes un petit peu écartées. Et on tourne dans un sens. On va chercher un petit peu loin devant, un petit peu loin derrière, sans aller trop loin. Et on va chercher un petit peu d'étirement. Et on sent un petit peu dans les adducteurs que ça tire un petit peu, mais il ne faut pas que ça fasse mal. Hein. Vous sentez que ça tire trop, si vous êtes allé trop loin. Allez, on change de sens. Ok, on va monter à l'épaule. Premier bras tendu, on tourne vers l'avant. Alors n'oubliez pas, dès l'échauffement, on commence à travailler la respiration. Hein. Vous êtes nombreux à nous dire que vous ne savez pas quand respirer, que vous avez des soucis avec ça par rapport à l'entraînement. Et bien, ça se travaille dès l'échauffement, la respiration. Commencez par prendre une bonne bouffée d'air, expirez longuement, allez, on change de bras. Commencez à travailler ce flux respiratoire qui est hyper important, surtout en HIIT, là, comme aujourd'hui, on va en avoir besoin de la respiration, ça va nous aider à tenir. Allez, vers l'arrière le bras. Ok, on passe au coude. On ouvre. On ferme, on ouvre, on ferme. Allez, quelques-uns comme ça. Doucement, pas besoin d'aller en hyper extension avec le bras, on garde une légère pression. Ok ? Allez, on continue. Hop, on s'arrête sur un. En bas, en haut, en bas, en haut. Allez, quelques-uns aussi. On change le bras. On va passer au poignet. Allez, le dernier. Et les poignets. Les mains jointes ensemble. Et en plan comme ça. Yes. Allez, on continue de respirer. Hein. Si vous me rejoignez maintenant, je rappelle que la respiration, ça se travaille dès l'échauffement. Apporter de l'oxygène, expirer le CO2, éjecter le bas de corps. Et on enchaîne. Le dernier, la tête. Seulement vers l'avant. On ne va pas tourner la tête vers l'arrière. Le cercle. D'une épaule à l'autre, et doucement. Si ça craque, faites doucement. Et on respire. On respire. Ok. On va partir. Vous êtes prêts? Ok. Premier exercice. On va commencer un petit enchaînement jumping jack et les touchés au sol. On va d'abord commencer par les jumping jack. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, et c'est parti pour le hit. Maintenant, jack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on enchaîne. Quand j'ouvre, je vais chercher en bas, je ferme, j'ouvre avec l'autre main, je vais chercher en bas, et j'enchaîne. 3, 4, 5, 6, allez, on descend, 7, 8, 9,
10. Allez, on enchaîne. Montée de genoux. Allez, soit comme ça, si tu n'arrives pas à faire les sauts, comme ça. OK? Version facile, version difficile. Allez, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on rajoute les bras. On monte les jambes et on tend les bras. Jab, cross. Comme ça. Je vais bien chercher loin devant avec le bras et je le ramène bien contre moi avant de faire partir l'autre. Et je respire. Respire, respire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je passe au sol. Climber. Je suis en position planche. J'ai les deux mains au sol, les deux pieds au sol, jambes tendues. Et je ramène les jambes. Doucement, si tu es débutant, rapide, si tu es intermédiaire ou avancé. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Stop. On reste dans la position. Et on va faire des Spider-Man. Je ramène le pied vers ma main. Je pose le pied complètement au sol. Allez, un pied, puis l'autre. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je passe complètement au sol. Je m'allonge sur le ventre. Allez, on enchaîne. Hein. C'est un hit aujourd'hui. Hein. Pas de pause avant la fin du bloc. On s'allonge sur le ventre, bras et jambes tendues. Et je lève. 1, je pose. 2, je lève. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Je me relève. J'enchaîne sur un gainage. Donc, version débutant. Je suis sur les genoux. Je baisse le bassin. J'ai le poids du corps sur mes coudes et mes avant-bras. OK ? Bien réparti si je peux. Les autres, sur les pieds. Allez. Soit je reste comme ça pour les intermédiaires. Les avancées dynamiques avec moi. Allez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je pose. Dernier exercice. Je me mets allongé sur un côté, complètement allongé. J'essaie d'avoir tout qui est aligné. Mes jambes droites alignées à ma hanche, à mon tronc, ma colonne vertébrale, et ma nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je ne suis pas comme ça, OK? Donc, je la tiens avec ma main, par exemple. Et je vais faire des élévations de jambes. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. On change de jambe. Allez, c'est parti. C'est parti. De l'autre côté, et je lève la jambe. Rappelez-vous, on aligne tout, hein. Et on souffle à la montée. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Je pose. OK, maintenant on peut faire une pause. Voilà. Là, on a fait un hit, par exemple. Ça a été super rapide, vous voyez. J'ai pas fait de pause exprès. J'ai pas forcément fait beaucoup de répétitions. C'est un peu le premier tour de chauffe, hein, qu'on peut, mais ça peut représenter un hit complet, hein. Si vous avez 5-10 minutes devant vous, vous faites ce genre de circuit
et ça va très bien. Si vous faites ça tous les jours, vous verrez que vous serez vite en forme, hein. OK? Donc, voilà, c'était un peu l'introduction. Maintenant, on va refaire le bloc et on va essayer de tenir plus longtemps. Là, je vois qu'il y a du monde qui nous a rejoint. Il y a Nicole qui dit qu'il fait ce soir. Il y a Nadine. Anne-Lise qui est là, salut. La Micheline, Bertrand qui est là, super. Cool, il y a Aurélie, Viviane, Nadine, Stefano, cool. Laura au taquet, cool. Ça fait plaisir. Bon, bah, belle journée pour ceux qui sont de passage. Coucou à ceux qui verront la vidéo en replay. Et puis, les autres avec moi. Allez, c'est parti. Deuxième tour. On a 7 exercices, je vous rappelle. Et on va commencer jumping jack. Vous êtes prêts? Allez, on part dans 3, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, et maintenant je vais toucher le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'oubliez pas de changer de bras, 7, 8, une main, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20, on enchaîne, montez de genoux, 1, 2, 3, 4, si tu peux pas, 5, 6, 7, allez, on enchaîne, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les bras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, respire, 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 7, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20, clapper, on descend, on planche, et on monte les genoux, doucement ou rapidement, allez c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, on monte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, c'est bien, 7, 8, 9, et Spider-Man, un pied, que je rapproche de la main, je pose, et c'est parti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et dernier, 20, je pars en bas, au sol, sur le ventre, les mains tendues devant, et je monte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas trop, hein, non pas trop, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20, tu bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et tu pars en gainage, tout de suite. Allez, soit tu es sur les genoux, soit tu es sur les pieds. Avec moi, 1, 2, 3, le bassin pas trop bas, rappelle-toi, hein. Rétroversion du bassin, tu serres bien les abdos. Allez, 7, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
20, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, encore. Pour ceux qui peuvent avec moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on pose. Super. On va passer sur le côté. Élévation des jambes. Rappelez-vous, on s'allonge et on aligne tout. Les jambes, le tronc, les hanches et la nuque. Et on monte. 1, 2, allez, super. On souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. On change. Change de côté, tout de suite. Allez, c'est le dernier. Après, on va voir un coup. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, continue, continue. 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Tu poses, super. Ben voilà. Deuxième tour. Cool. Parfait. Allez, bois un coup. Comment ça va? Là, si t'as pas trop le temps, tu te fais un ou deux tours. Et si tu fais ça, comme je disais au début, une fois par jour ou une fois tous les deux jours dans la semaine, tu vois, tu te fais 3-4 fois ça. Même si c'est une petite semaine où tu te sens moins en forme, ou tu as moins de motivation, ou tu as beaucoup plus de travail, tu es beaucoup plus fatigué, bah fais ça et tu vas voir que tu vas maintenir ta forme et parfois même tu vas être plus en forme en faisant ça, en continuant ta routine d'entraînement plutôt que de dire je m'arrête complètement pendant une semaine, 10 jours, et puis après je reprends. Parce qu'en fait, tu perds le bénéfice de tout ce que tu as fait quand tu fais des pauses trop longues, quand tu arrêtes de mettre ton corps en mouvement. Donc c'est important de continuer ça. Et ce qu'on a fait là, en fait, c'est vraiment à la portée de beaucoup, beaucoup de gens. Je ne dis pas de tous, parce qu'il y a des gens qui sont en surpoids ou qui ont des problèmes de santé. Mais par contre, effectivement, c'est intéressant pour celles et ceux qui peuvent suivre, parce que ce n'est pas des exercices très durs à faire. Ça engage un peu quand on monte en répétition, mais là, ce qu'on a fait, franchement, toutes celles et ceux qui suivaient nos cours depuis un mois, je suis sûr que l'immense majorité d'entre vous peut suivre ça aisément. Ça réveille aussi gentiment le corps, l'esprit, ça permet de se booster un petit peu sans se faire de mal, et c'est ça qui est important. Ok ? Allez, on va faire un troisième tour de HIIT. Donc, si vous êtes encore motivés, on est parti. Ok, allez. Vous vous rappelez, on commence par les jacks et après on va toucher au sol. Allez, c'est parti. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti pour le troisième tour. Allez, jack, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
40, je ferme, et quand j'ouvre, je vais au sol. 1, 2, allez, 3, on enchaîne. À ton rythme, hein, à ton rythme. 5, 6, t'es pas obligé de suivre bien, tu peux aller plus lentement. 6, 7, change bien de main, n'oublie pas de respirer. 9, on n'est pas en apnée là. Allez, 1, super, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, encore, 1, 2, 3, 4, allez, c'est bien, 5, 6, 7, 8, 9, 30, encore, 1, allez, 2, c'est bien, 3, jusqu'au bout avec moi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 40, super, allez, enchaîne, monte les genoux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, respire, respire, respire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, on rajoute les bras. 1, 2, on continue avec les genoux. Hein. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, allez, 9, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et encore, allez, à fond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et en bas, timer, tout de suite en position, allez, doucement, comme ça, une jambe après l'autre, ou rapide, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, le bonus, à fond, 1, 2, 3, 4, 5, super, 7, 8, 9, et 10, allez, on passe au sol, sur le ventre. On s'allonge, les deux bras vers l'avant, tendus, jambes tendues, et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, on tient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les battements, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et tu poses. Allez, c'est parti. On enchaîne. Gainage. Soit sur les genoux, rappelle-toi, et tu as le bassin descendu. Hein, tu as le poids du corps sur le bras, soit sur les jambes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, super. 5, 6, 7, 8, 9. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et tu poses. Ok, on passe sur les bras. Allez, position planche. Et on ramène le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, allez, c'est bien, debout, 6, 7, allez, ça commence à piquer là, 8, respire, respire, 9, encore, encore, 1, ramène bien le pied et tu poses complètement, 2, 3, 4, 5, va à ton rythme, mais fais correctement l'exercice. 6, 7, allez, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et tu poses. Super, magnifique. Le dernier, allez, bien anglais, aligné, et tu lèves la jambe, la pointe de pied tournée vers toi. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, 1, 2, pas besoin d'aller trop avec la jambe, regarde, moi je monte pas trop, 4, 5, pas trop vite non plus, 6, plus tu vas doucement avec cet exercice, plus tu travailles, 8, 9, encore, allez, 1, super, c'est trop facile pour toi et que tu as à la maison, mets les poids de cheville, 3, 4, ça va, 5, 6, allez c'est bien, on arrive bientôt au bout, 7, 8, 9, encore, et 1, 2, avec moi le rythme, avec moi, 3, doucement, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et dernier, tu poses. Super! Allez, dernier côté, et après, on a fini. Allez, c'est parti. Maintenant, 1, 2, 3, 4, allez, 5, pas trop vite, pas trop haut, et respire, respire, 8, 9, 10, allez, encore, 1,
2, 3, 4, 5, allez avec moi, c'est bien, 6, ceux qui peuvent, les autres, à votre rythme, c'est vous qui déterminez la cadence, c'est votre entraînement, moi je suis là pour vous aider, pour vous pousser, vous aider à vous dépasser, mais si c'est trop dur, faites quand même ce que vous pouvez, allez c'est parti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, jusqu'au bout, 9, les 10 derniers, à mon rythme, 1, allez, le deuxième, 2, 3, doucement, 4, tu poses pas, tu touches le pied et tu repars, 5, encore, 6, doucement, 7, retiens bien, retiens, 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 8, allez, jusqu'au bout, 9, et dernier, 10, super, bravo, magnifique, bel entraînement, ça fait plaisir de bien commencer la matinée comme ça avec vous. Et ouais, Spider-Man, Nora, ouais, ouais, on les a fait quand même. Ouh. Alors, il y a Sylvie qui nous dit, je voulais faire une pause aujourd'hui, mais contente de mettre botter les fesses. Ça me fait un bien fou ce hit, facile à suivre, bon petit boost pour attaquer la journée. Motivé pour le troisième tour. Ben voilà, parfait, tu vois. Si tu as fait le troisième tour, normalement là, tu t'es fait un bon entraînement, un bon gros boost pour le reste de la journée, et tu vas être pleine d'énergie, tu vas être pleine de force, et puis tu vas passer une très très bonne journée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez que c'est plus court que d'habitude. Et encore, j'ai même rallongé parce que on a fait trois tours, mais on aurait très bien pu s'arrêter à deux. Hein. À deux, on était aux alentours des 20 minutes, je crois. Donc, on aurait très bien pu faire deux tours et puis que ça aille très bien. Donc, si vous n'avez fait que deux tours, sachez que vous vous êtes quand même bien entraîné. Le troisième tour, c'était quand même pour des gens un petit peu plus avancés. Je dirais quand même des intermédiaires plus. Et puis, si vraiment vous étiez très très débutant, que vous n'aviez pas fait de sport depuis très longtemps, un tour, c'était très bien. C'est une bonne mise en route pour le matin, sachant qu'on a aussi un cours ce soir de renforcement musculaire. Voilà, c'est pas la peine non plus de se fracasser, et c'est même pas la peine de suivre tous les cours tous les jours, hein, parce que si vous faites ça, vous allez vite vous cramer. Hein, donc, choisissez bien vos cours avec. Avec parcimonie, essayez de varier un maximum, ne pas toujours faire les mêmes, même si je sais qu'il y a on a des entraînements qu'on préfère faire par rapport à d'autres, mais c'est bien de varier entre du Tabata, du circuit training, du HIIT, du renforcement musculaire, des cours à thème, d'autres disciplines comme le yoga, la danse, la méditation par exemple, voilà, essayez de vraiment varier, de penser de manière globale, penser de manière holistique, et puis le sport en général. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 11h avec Stani pour parler stylisme et mode. Et vous allez voir d'une manière un petit peu différente, ce ne sera pas comme à la Fashion Week. Je me réjouis d'en parler avec vous. Et puis j'aurai une petite annonce aussi, un petit peu moins drôle. On a eu un petit souci hier par rapport au groupe et à Fit Club sur Facebook. Rien de grave, hein, je vous rassure. Mais voilà, il faut juste que je vous en parle parce que c'est important que vous soyez fortement que vous fassiez avoir. Bon, pour pas que ce soit trop de suspense, en fait, on a été victime d'une usurpation d'identité. Donc, il faut que je vous dise de quoi il s'agit pour que qu'on n'essaye pas de vous contacter en notre nom et puis qu'on vous demande vos coordonnées, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, je vais faire un petit post dans la journée par rapport à ça. Je pense que ce sera une petite vidéo pour vous expliquer. Et puis sinon, comme je vous disais, rendez-vous dans une heure, donc à 11h avec Stéphanie et puis on discute
stylisme et puis colorimétrie et puis un petit peu mode quand même. Et confiance en soi. Voilà, ça va être super. Je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais prendre une douche. Merci d'avoir suivi le cours et bonne journée. Salut, salut.